Ouais, mais tu vois, là dans les games, on est avec des masters. Hein. Avec des masters GM, on n'est plus trop avec des tchals. On a perdu un peu trop de games en vrai. Enfin, on commence à jouer avec moins fort. Bon, Gilius sur Qiyana. J'ai un autofill sur Lee Sin. Ok. Merci Hatchstein pour les 3 mois, je l'ai peut-être pas dit. Hop 72 les 9 mois. Pire à tous les 8 mois. Et le reste j'avais dit. C'est quand même ça, non? On est à la moitié du stream, j'ai fait 3 games. Celle-là, c'est la quatrième. On est à 0-3. J'ai pas fait une game en négatif. On a chié sur le mid les 3 games, sans exception. Mais... Mais on n'a pas gagné une game. Nitrox, merci pour le prime. Bon, ce sera certainement une game Liandry, celle-là. A voir comment joue le Azir. Si le Azir joue mal, peut-être qu'on part Luden et qu'on essaye Snowball, mais paraît compliqué en vrai. Après, il a une page de rune pas folle, hein. Honnêtement. Ne pas jouer Comet contre Vel'Koz, c'est un peu débile, je pense. Mais bon. Il a raison, il joue une page de rune scaling teamfight. Étant donné que... Je pense que leur compo est un peu meilleur que la nôtre, hein, on va pas se mentir. On peut pas trop match le push d'un Vazir level 1-2. Pas de mal à comprendre pourquoi il fait ça, j'imagine pour passer level 2. On est à 6 sur 6. Dommage, je pensais qu'on ferait 11, il fait 9 en face, alors que j'ai pas du tout contest un seul creep ou un seul last hit du mec. Ça met bien, en jouant Doran. Miss le canon, c'est quand même chiant au niveau gold, on veut vraiment réussir à avoir chapter. Ouais. Bon, forcément. Forcément. On est devant au farm, il décale pour Carap, je pense même qu'ils ont... J'allais dire peut-être son bleu, mais non. Il décalait pour Carap, là, qui en a été en train de le faire, ou elle l'avait déjà fait, je pense. Ouais, déjà fait, il est gone. Elle l'avait fait au spawn avant d'aller bot. Bon, on joue chapter, hein, ça va. Ça va revenir vers moi doucement.
Il a des bottes, faire attention. Ok. Pas tout compris, mais... J'imagine que... Ça met bien le Azir, qui peut du coup avoir son setup sur cette wave-là. Pas trop. Ça fait 30 secondes qu'il est dans le side bush. Il va me cancel. J'ai chapter, on est content. Il y a... En soi, moi j'ai mon chapter, hein, je back sur ça, il a TP, donc si je peux back avant lui, revenir avant lui et il TP pour rien, c'est un match-up vraiment bien. Ok, on a raté un creep, et je vais peut-être avoir l'XP de celui-là. Du coup tout va bien, j'ai raté un CS sur le back. Seul truc, c'est que lui va peut-être pas en rater en faisant sa TP. S'il TP pas, il perd plus que moi. Il peut TP bot, ouais, il TP derrière, c'était sûr. Il TP sur une ping bien, ils sont deep. Il a le R. Il a du stuff. Ils sont forcément un mort. Je push pour qu'il ait de quoi venir. Ok. Ressemble quelque peu à une botte diff, mais on va rien dire, c'est fine. 3 de KP, vas-y. Tout est parfait, hein. Pas qu'avant, j'ai chapter. Il est obligé de TP. Mais sur le seul timing où le mec a une TP possible dans la game, ils sont en train de chase leur support dans la jungle. L'hôtel me force un peu à contester le Azir. Il y a le Thresh qui est là avec des mobi. Enfin, même pas, juste des bots en 1. En train de carry la game. Il a 5 de KP sur 6. La seule KP qu'il a pas, c'est le kill qui vient de se passer top. C'est cool. Du coup, bah, Azir est devant moi. Il sera devant moi toute la game. Comme robot. 0-6. En 8 minutes. Assez... Elle a pas touché un spell, la Séraphine. Hein. Bon bah. Je sais comment ça va se passer. Hein. Azir Vel'Koz. Le mec en face est une merde. C'est pas, il a les pires runes du jeu. Compte dans le match-up. Il peut pas faire pire comme rune, il utilise rien. Puis sa mère, genre là il me trahit alors que j'ai mon R et pas lui, je le sais, et le mien est plus court que le sien. Peut-être comme la game de la Nivea avant, hein. Mais ils ont Qiyana et botlane qui gagnent.
c'est on va lose. Je vais jouer Luden Horizon. Je vais pas faire un seul item défensif, mais on va perdre. Après, je vais solo win la game. Et Kiana. Et let's go. Il a 8 de KP à 9 minutes. Alors là, il a le R. Mais s'il se commit, il a le flash disadvantage, je gagne. Encore mort au bottin. Je peux pas vraiment prendre la plate, je sais pas trop où est Kiana. Voilà. Allez, viens. T'es une merde. Il y a même pas Kiana en plus. Oh. Ah ouais, je trouve ça vraiment ridicule, hein, les games. On va essayer de trust et de voir si c'est faisable. J'ai mythique. Alors là, par contre, maintenant, il va récupérer flash avant moi. Et honnêtement, quand on a tous les deux notre flash down, Azir c'est beaucoup plus fort que Ulkos. Genre là, je peux pas trop jouer le matchup. Mais bon, vu le level du mec en face, ça va peut-être aller. Ça. J'ai 20 CS d'avance, je le solo kill deux fois. Les deux fois où je meurs, c'est juste trash. C'est juste trash. Hein. Moi pink. Ward là. Et on va faire mieux. Ils sont. Enfin, imaginez-vous quand même qu'ils sont en 0-10 sur le move, tu vois. Si j'exagère, mais sur le move, ils sont en 1-9. Le mec en face a un Shilbo à 8 de KP et ils ont failli le... Enfin, ouais. Il y a Lian Counter, je peux arriver. Il a peut-être une TP. Elle touche pas un putain de spell, là. La Séraphine, bon, il va mid avec sa MF. J'ai pas vu. Je l'ai dit, pas vu la TP. Pourtant, c'est un... demi-écran à côté, mais j'ai ni entendu le son, ni vu le truc sur la minimap. En fait, j'avais la caméra comme ça, et la TP était là. Si j'avais entendu le son, j'aurais pu partir par là, et je m'en serais sorti. Il avait pas moyen de me route, ni rien, mais... Dommage. Hop. C'est Aphelios qui a eu le kill. Non, c'est Azir. Donc ça va, en vrai. On va jouer Horizon. En vrai, il est pas mal, hein. Tu sais, il a 5 de KP, il a pris 2 plates, je dirais. Lui, il a pas de Shilbo, hein. Bah, il meurt dans 3.
Par 11, à un creep. Il fait démonique. Elle est grande, hein, donc... Lui, c'est vraiment l'imposteur, hein. Genre... Oui. En fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est de me dire que on va perdre encore une game avec le level du Azir en face, quoi. Bon, le trash est pixel, hein, je sais pas pourquoi il focus Qiyana alors qu'il a un free Aphelios. Ouais. Ok. Bon. Il a plus de ward. Il va me... Enfin, ok, il l'a même pas. Sus le flash? Ça marche. Allez. En fait, je ne vais même pas essayer d'argue avec des gens qui prennent en compte le simple fait que le flash est pas de l'autre côté du mur et sur le mur, alors que j'ai flash le plus spell de Qiyana et que si la MF avait turn auto sur Qiyana, on pouvait la tuer. Mais bon, j'imagine que c'est des paramètres qui sont pas trop pris en compte dans votre tête. My bad, en vrai, d'avoir essayé de... Il a pas Shilbo. Il a un heal. Regardez le move avec ce que je viens de vous dire. Regardez juste ce qui s'est passé. Si la MF fait un clic droit et une elle auto la Qiyana serait morte. Quand elle a flash le mur, elle est morte. Un 14 bot, enfin 2-14. En vrai, c'est ingagnable, hein. Je vous dis, c'est ingagnable la game. Leur top side est tout autant fed que leur bot side. Il touche pas un spell. Ah non, je me demande sincèrement si c'est réel les games, genre vraiment. Regarde bien. Faut juste air la wave. Hein. Non. Peu trop compliqué. Je joue pas mal Lee Sin en vrai, par contre. Un peu stress sur quelques Q, mais... Il a... Ouais, il y a un Gordrinker, mais ça paraît dur. Double shot down bot. Faire collapse par Thresh. Ils ont deux Drake en face. En fait, ils ont tout, genre. Il y a tous les paramètres en face sont là. Je me demande bien ce que je vais pouvoir faire en teamfight. J'ai horizon à la base.
En fait, en teamfight, c'est Séraphine qui s'est top. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vu toucher un combo de la game. Elle a touché quelques R, hein, mais je ne l'ai pas vu toucher un combo de la game, donc à part sur le Aziro, mine à un moment, là. Elle a fait ER. Donc ça va être un petit peu compliqué, je pense. Allez, route. Heureusement que le Thresh follow pas, parce que... Ah, ce qui fait mal au cœur, c'est que lui est vraiment horrifique. Hein. Oui, mais il y a Nashor, les frérots. Hein. Encore un petit peu plus au bot. Parce que là, il y a Thresh et Aphelios qui sont en train de faire Nash avec les bonnes armes. Je suis même pas se persuader qu'ils vont réussir à la kill. Il a flash pour ça. Alors espérons qu'il la tue. Nice, bien joué les gars. Vous venez de donner... Bah la game. Ils ont Nash quoi, après on peut dépeu j'imagine. Anticiper le fait qu'il a les flashs. De rien. C'est Azir. Bon, ils ont plus de Nash. Je vais y aller avec eux parce que je pense que si j'y vais pas, on va pas l'avoir. Et je vais utiliser mon mana pour le secure. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, MF, il faut taper le Drake, s'il te plaît. Étonnant. Allez, on est marre en vrai. J'en ai marre. Ouais, si j'ai fini au mid. Ah, grâce à Miss Fortune, on vient de... Ouais, elle peut enlever la wave. Qu'est-ce qui branle ? Je pense qu'ils finissent quand même. Hein. 12 secondes, ils peuvent pas wave clear si je suis pas là. MF a pas de R et elle nous sert à rien. Elle a pas mis un spell, hein, pas une auto, rien. On a perdu. 24 minutes. On est pixel perfect. Bon, c'est encore un.
Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Ouais. C'est un main mid. Hein.